Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tomb Raider 4, la révélation finale, donc pour l'épisode 13. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois j'ai été arrivé là-bas, au-dessus de la tête de Lara, où il y avait la plateforme en plein milieu de cette grande salle, et du coup il y avait ces deux fameuses cordes en face de moi. Et en fait, hors caméra, je l'ai fait parce que j'ai fait énormément de fails. Et pour éviter d'avoir une vidéo qui dure 10 plombes juste pour deux putains de cornes, je me suis dit, on va démarrer après. Donc là, je suis juste en face. Je me suis contenté de traverser avec ces deux cornes. Alors la technique que j'ai réussi à faire, c'est déjà d'une, bon, bah de s'aligner bien en face. Même si c'est vrai qu'à la fin de la vidéo précédente, c'est ce que je faisais, ça fonctionnait pas toujours. Mais le truc qu'il faut faire, c'est bien s'aligner en face et surtout être au plus bas possible de la première corde, là, au-dessus de la tête de Lara. Parce que quand je faisais des tests dans la vidéo précédente, il me restait genre, je sais pas moi, 1 mètre de corde en fait, en dessous. Et il fallait vraiment que je descende au maximum pour choper celle-ci. Pourtant, quand je faisais mon saut, j'atteignais largement je sais pas, la moitié de la hauteur de cette corde. Mais je sais pas, ça voulait pas choper, donc c'est le seul moyen qui a fait que j'ai réussi, quoi. Donc du coup, je me retrouve en face. Alors, je vais sauvegarder. Pili, pili, pili. On va se prendre celle-là. Donc ça permet en même temps de voir le temps de jeu, parce que c'est vrai que j'étais plus trop à la page, je me rappelais pas à combien on était. Donc on est à 7h15 à peu près. Donc on arrive tranquillement, mais sûrement, aux 10 heures de jeu. Alors là, par contre, on va devoir descendre, du coup, c'est le moment que j'aime bien. C'est bon. J'ai réussi. On a évité le drame. Alors, où sommes-nous? Apparemment, on est tout simplement en bas, ici. Ok. Alors, il y a plusieurs chemins. On va d'abord faire celui-là, déjà. Je vais regarder au niveau de l'inventaire ce qui me reste, parce que mine de rien, au niveau des soins déjà. Bon, les cartouches, on est d'accord, j'en ai plus vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Toujours les grenades, l'arbalète, cet trait explosif. C'est pas ouf, hein. Et les soins, ouais, c'est. Faut vraiment que je fasse attention, je vais essayer de la jouer un peu plus sereinement. Par la suite, parce que là, faut vraiment que je me refasse un stock en fait. Hein. C'était pas particulièrement prévu à la base, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup gaspillé avec l'histoire des flammes. Les squelettes, je pensais pouvoir les éclater, et en fait, non. Donc, ah, apparemment, ça nous remet dans l'ancienne zone. Alors, je sais pas où ça va nous mener, tout ça. Mais c'est vrai que ouais, tout ça, plus les squelettes, ça m'a fait très très mal. Hein. J'ai vraiment perdu masse stuff, quoi. Alors là, on voit qu'il y a un truc pour les fameux fantômes. Ah. Ça fait mal, j'ai envie de dire. Ça fait très mal. On va peut-être recharger, finalement. Ça sera plus rentable, je pense. Bon. Si je dis pas de conneries. Voilà. Ah, j'ai repéré un peu de vie. Putain, décidément, c'est compliqué. Alors, on va voir ce que nous réserve cette salle. Parce que ici, vous avez vu que c'était déjà une grosse, grosse salle là avant avec les doubles cornes. Donc, autant vous dire qu'il y a vraiment énormément d'endroits à explorer. Voire peut-être même certains, je vais louper. Sûrement, c'est pas. Merde. Non, mais sérieux, là, j'ai perdu à peine de la vie. Alors que j'ai sauté comme une grosse merde. Ok. Bon bah écoute, on va rester comme ça, par contre pour éviter que je me suicide. Donc allons-y. Alors ici, si vous regardez bien, il y a des espèces de rigoles, on va dire, de gouttières, encore une fois. Un peu plus grosses que celles du tombeau de Seth. Et au milieu, bah c'est un trou noir en fait. Et il y aura de l'eau à foutre, je crois. Donc pour ça, faudra accéder à chaque côté en fait, que chaque côté envoie de l'eau en fait. Alors commençons à fouiller. Alors là, il y a un passage. Et là, il n'y a rien.
Alors je regarde les textures parce que il y en a certaines des fois qu'on peut escalader, comme celle que j'ai descendue là plus tôt. Donc faut mieux que je me méfie de ce côté-là. Par contre là le truc noir là ça me rassure pas. J'en ai des mauvais souvenirs de ce truc. Donc je préfère sauvegarder avant. Je crois que ça chie des flammes mais je suis pas sûr. Tous ces trucs là, les pics, les machins, tout ce qui est piège en général, ça te marque à vie. Donc je préfère être prudent, je suis pas sûr. Hein. Peut-être que ça fait rien du tout, c'est peut-être après, je sais plus, mais... On va essayer de passer déjà. Ouais, bon, d'accord. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est un piège, mais apparemment ça m'a pas cramé, je dois être vraiment sur le bord, donc tant mieux. Profitons-en pour passer tranquillement. Et ici, évidemment, il y a une armée de squelettes. Et vu que j'ai pas beaucoup de stuff, j'aimerais bien éviter de m'en servir, en fait. Ok. Alors ça, ça doit être l'une des statues. Ah ouais, merde. C'est la statue de Poséidon. Et en fait, si vous le savez sûrement, Poséidon, il a un trident. Et sauf que là, vous voyez qu'il n'y en a pas, parce qu'en fait, il faudra le mettre. Donc j'ai rien récupéré, moi, dans ce genre-là, en plus. Donc va falloir que je retourne en arrière, en fait. Ah! C'est moi ou il y avait un kit de soin, là? Ah ouais. Putain, j'ai failli passer à côté, quoi, je l'avais pas vu. Bon, il se réveille pas, peut-être que ça va être après justement. Ah mais merde, pour descendre là je vais me manger la flamme. Sauf si je descends sur le côté peut-être, on va essayer. C'est pas évident là. Je vais me cramer le cul. C'est bon, je suis pas cramé. Donc je crois qu'en fait, ici, on va pas y aller maintenant, finalement, parce que... Parce que j'ai pas de trident, en fait, et il en faut plusieurs. Donc ça sert à rien que je vienne là, en fait. Donc retournons au point de départ, on va voir du coup ce qu'il y a un peu plus dans cette grande zone. Et j'espère trouver ces fameux tridents, et je sais plus du tout où ils sont, donc on verra. On verra bien, là il y a un petit spot d'eau, si on veut se faire une petite trempette. Peut-être au cas où, si, pour les pièges de feu éventuellement. Mais bon, le temps d'accéder jusqu'à là-bas, t'as le temps de crever quoi. Je pense que ça c'est clair et net. Alors déjà il y a une petite entrée, là on va essayer ça. Hop. Alors il y a deux chemins. Celui-ci apparemment peut pas monter. On va peut-être revenir par là, j'en sais rien. On va passer par ici. Et on va sprinter en même temps, puisque c'est le truc que j'utilise jamais. Alors ici, il y a des pots. Voilà, et apparemment, ça a l'air d'être de la chevrotine. Alors c'est marrant parce que les cartouches de base, avant, c'est des trucs que je trouvais vraiment très facilement. Et la chevrotine, j'en trouvais très rarement. Et là, maintenant, c'est l'inverse, en fait. Alors par contre, j'espère que je vais pas trop galérer à jouer parce que je me suis cramé les doigts hier. Et du coup, ça m'a fait une énorme cloque sur le dos. Et alors normalement faut pas les percer et c'est pas ce que j'avais prévu de faire, mais sans faire exprès, en frottant avec l'autre doigt, ça a percé et du coup c'est pas très pratique. Du coup j'ai mis un pansement, mais bon, quand tu tiens la manette c'est pas le top. J'espère que ça va pas trop me porter préjudice. Et bon, quelque part c'est mieux qu'elle soit percée, même si d'un côté il faut pas, parce que j'aurais pas pu jouer sinon.
La cloque est tellement grosse en fait que ça me gêne vraiment avec l'autre doigt d'en dessous en fait. Donc quand tu tiens une manette, c'est horrible. Donc ça me faisait un peu chier, c'est. J'allais pas dire accident de travail, mais c'est. Ça influence en tout cas ma production de vidéos. Bon, évidemment, comme d'habitude, là je galère à manœuvrer. Et genre, regarde s'il y a des objets ici. Ça a pas l'air d'être le cas, donc il y a plein de plateformes. On va commencer par celle-ci, je crois qu'il y a un objet en face, donc... on va faire ça. Ah, je peux pas grimper, merde. Loul. J'ai oublié ce détail. Alors du coup, faut que je trouve une plateforme où je peux grimper. Et à part là-bas, je crois que c'est tout. D'ailleurs, je crois que je viens de là-bas, il me semble. Enfin, j'espère. Parce que si je commence à me perdre maintenant, je vais être dans la merde pour un coup. Clairement, ça va poser problème. Mais je pense que je viens de là-bas. Enfin, j'espère vraiment, en fait. Je sais pas, mais j'espère. Alors. Hop, un petit saut simple, ça devrait aller. Ah, merde! Ah, j'ai... Bah non, pourtant, j'ai pas... Je pense pas avoir resté appuyé. Remontons, du coup. Perte de temps à gogo, en plus elle avance en prenant tout son temps. Alors je comprends pas là. Attends, j'ai pas appuyé, à moins que c'est avec le pansement que ça gêne peut-être. Le grand blessé. Donc recommençons. Ah ouais, je crois que c'est. Merde, je crois que c'est ça. Hein. Parce que c'est pour. C'est R2 quand on veut faire le saut de l'ange, non? Ou c'est R1? Je vais essayer de ressauter, mais. Sans appuyer sur R. C'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être pas R2 en fait. C'est par peur de tomber, je reste appuyé sur le bouton, mais c'est pas une bonne idée. Est-ce que je peux sauter en arrière? Voilà, pour gagner un peu de time. Ouais, évidemment, mais sauf que je tombe. Ça m'avance beaucoup. Ah là là, on va y arriver. Alors, ce fameux saut. Hop là! Voilà. J'ai peut-être sauvegardé parce que, vu depuis le temps que je galère, en plus j'ai pas encore sauvegardé. Et si je dois me retaper tout chemin, ça va pas le faire. Hop. Donc on est bien au temple de Poséidon. Donc, comme on a vu les statues d'ailleurs, ça valide. Alors, ici, est-ce que je dois prendre de l'élan ou pas? C'est pas l'air évident parce que c'est pas au même niveau en plus. Peut-être qu'en faisant juste ça. Ouais, c'est bon. Donc finalement c'est pas un objet, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est pas un objet comme vous pouvez le constater, c'est un levier. Voyons voir ce que celui-ci fait. Ah! Ça a déplacé des blocs nous permettant apparemment d'accéder à un soin. Est-ce que je peux passer par là? On pourrait dire que oui. Par contre, on voit qu'il y a des squelettes, et ça, je vous cache pas, ça me saoule, parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Donc, bah, on va essayer de les esquiver, j'ai envie de dire. Pas d'autre choix. Du coup, ça, ouais, ça vise le squelette, mais elle peut pas viser juste ça. Là. Voilà. Bon, c'est bien, si on refait le plein de munitions de pompe déjà, ça va rembourser un petit peu les folies qu'on a fait avant. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Là, c'est bon, il n'y a rien. En tout cas, c'est un endroit très sympa, hein. C'est très joli, je trouve. L'environnement. Après, c'est vrai que toutes les salles qu'on parcourt, là, de plus en plus, on va dire que je suis entre guillemets à fond dans le jeu, mais c'est vrai qu'elles sont toutes vraiment très stylées. Hein. Même si j'ai quand même une préférence, comme je l'avais dit. Genre, ça a pas voulu choper, là. Ça aurait dû, normalement. Mais c'est vrai que, ouais, comme je vous ai dit, j'avais une préférence, quand même, pour... j'allais dire l'Égypte. On y est toujours, mais... vous m'avez compris, quoi. Vraiment, l'architecture égyptienne et pas grecque ou gréco-romaine, quoi.
Enfin, en tout cas pour ce qui est de ce jeu. Parce que c'est vrai qu'après, dans la vraie vie, c'est notre histoire. Hein, mais là, je parle uniquement du jeu, quoi. Alors, est-ce que je peux sauter d'ici? Ça m'a l'air compliqué, mais je pense que c'est faisable si je prends de l'élan. Par contre, lui, il va me faire chier, là. Cet affreux squelette. Je pense que là, si je passe par là. Ouh, putain, je croyais que j'allais tomber. Alors, leve-là. Ça fait chier, squelette à la con. Hein. Il va me pousser dans le vide, ce con. Hop. Du coup, ça sert à rien que je fasse ça. Parce qu'en fait, ça m'emmène où? Parce que c'est vrai que moi, je saute comme un con, mais... Il n'y a pas de plateforme, après. Enfin, il y en a une là-bas. Ah oui! Merde, fallait suspendre. En fait, j'aurais pu faire même dès là-bas. Merde. Du coup, j'aurais esquivé ce vilain squelette. Bon, c'est pas grave, rebelote. Mieux vaut un foirage et comprendre la situation que galérer en haut, je dirais. Faut bien se trouver des excuses. Hop. Saute en arrière. Voilà. Ensuite. Alors là, je sais plus si... Ouais, si j'avais besoin d'élan ici. Hop. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Alors, si vous entendez un peu le bruit de la manette, genre comme ça, là. Genre le plastique, un petit peu. En fait, c'est juste le frottement du pansement avec le plastique. Hein. C'est pas que je suis en train de serrer ma manette tellement elle fait du bruit, quoi. Et c'est pas du tout ça. Enfin, même si après, des fois, ça peut arriver, hein, parce que le plastique travaille quand même, mais... Mais là, c'est purement à cause du pansement, quoi. Donc, on va y arriver. Hop là. Alors, je vais peut-être faire une sauvegarde, ça mange pas de pain. Et au moins, on est sur nos arrières. Voilà. Donc ici, je sais pas ce qu'il va y avoir à choper du coup. Est-ce qu'on va récupérer un trident ou est-ce que c'est encore dans une autre zone? Parce que il y en a plusieurs des tridents à choper. Mais après, est-ce qu'ils sont là? Ça c'est le problème. Parce que rappelez-vous qu'on n'a pas non plus tout visité hein, sur les ruines côtières. Il y avait d'autres trucs. Et donc on verra. J'espère en tout cas être sur la bonne voie quand même parce que bon si on... On perd notre temps ou à faire le truc inverse. Bon, au pire, toutes les portes seront ouvertes, machin, tout ça, mais bon. C'est un peu problématique quand même, quoi. Oh, genre, putain. Faut qu'il y ait un esprit qui vienne faire chier ici, quoi. En plus, ça enlève un max de vie, ces conneries. Vas-y, active-moi ça. D'accord. Est-ce que je peux me suspendre et... Ah oh, putain, il y a deux... Attends. Donc là, tac, tac. Ouais, c'est pour nous emmener là-bas. Ok. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt, en fait, mais bon. On va éviter de trop réfléchir parce que là, la vie, elle tombe. Ok, c'est bon. Merde, merde, merde. Laissez-moi m'en aller. Putain, il n'y a pas moyen de les dégager, ceux-là, là, avec le fusil à pompe. Merde, bon, je suis tombé dans l'eau comme ça, le problème est résolu. putain, ouais, ça fait chier. Ah putain, l'esprit qui va me follow pendant 10 ans là en plus. La misère totale, quoi. Puis même dans l'eau, t'es pas immunisé, quoi. Ça aurait pu être bien ça. Donc, déjà on va se soigner parce que là, ça commence à être dangereux. Je vais essayer de rusher la zone, mais je comprends pas en fait pourquoi ils veulent qu'on aille de l'autre côté de l'arche. J'ai rien vu de spécial. Merde. Décidément. Vas-y, grimpe. Oh là là, c'est pas possible ça. Je veux faire ça juste pour, si vous voulez, être près du bord et sauter en arrière, mais je vais le faire direct parce que sinon on va pas y arriver. Voilà. Putain, fait chier. J'arrive à rien, ça me saoule. Je vais essayer de tout faire d'un seul coup, gagner du temps et je fais que de la merde. Mais c'est vrai que là, l'esprit, il me casse les couilles aussi, hein. Ça met un peu la pression.
Hop. Je vais quand même tenter fusée à pompe parce que là, si je peux les pousser, ils peuvent peut-être tomber dans le vide. Vu qu'ils sont invulnérables, peut-être que l'eau, ils aiment pas ça. Ce serait plutôt logique, comme. Ah merde, putain, merde, si je prends pas la bonne arme, tant pis, je crois que je vais me casser. Oh putain. Bande de salopins. Mais j'ai pas mis équipé, Non. pourtant. Bah, évidemment, je suis dans l'eau maintenant. Tu peux me dire non. Mais j'avais pas mis équipé. Ou j'ai juste mis changer de munitions, peut-être. Attendez, je vérifie un truc qui m'intrigue. Ouais, il y a un passage là-bas. Je vais voir ce qu'il y a. Ah! Vas-y, va mourir, toi. Ouais, vas-y, continue de tourner autour. Allez, tu peux le faire. Voilà. Bon, déjà, ce problème-là est résolu. Ça, c'est une très bonne nouvelle, déjà. Parce que, putain, la vie, là, j'en pouvais plus, non, sérieux. J'ai dû niquer au moins 3 soins complets depuis que je suis là. Alors qu'il n'y a rien de spécial. Donc, retentons le fusil à pompe. On va l'équiper. Voilà. Ok. Hop, et là j'ai même pas sauté au bout, ça m'a pas posé problème. C'est ça qui est désolant, quoi. Bon, ça les fait tomber au pire. Ah, il y en a pas un qui est tombé là. Enfin, quand je dis ça les fait tomber, ça. Salopard. Je crois qu'il y en a un qui est tombé dans le vide et il doit être mort. Parce que au pire, oui, si ça les fait juste tomber au sol, au moins ça me permet de sauter en ce laps de temps, même si c'est court, mais bon, ça. Ça doit suffire, je pense. Ça sera toujours mieux que les avoir debout au cul, quoi. Mais je crois que ça en a tué un. Ah non, les deux sont là, autant pour moi. Bah, je sais pas où il était, le deuxième. Il a peut-être sauté sur le pilier avant. Je vais quand même retenter. Ah, voilà, là, il est tombé. Je sais pas si ça l'a tué, mais profitons-en. Ah! Putain! Je suis deg! J'ai trop incliné vers la droite. Bon, en tout cas, ça en a dégommé un. Donc, je vais essayer de faire pareil avec l'autre. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit au bord. Parce que, là, c'est pareil, les munitions de pompe, j'en ai pas à la peine. Il fut un temps où j'en avais beaucoup, mais ce temps est révolu, hein, clairement. Maintenant que je m'en sers beaucoup plus, ou que je m'en sers tout court, surtout parce qu'avant c'était vraiment que flingue. Hop! Putain, il m'a. Commence à m'enlever pas mal de vie, lui, mine de rien. Nice, c'est bon. Est-ce qu'il me follow ici ou pas? Non, c'est bon. Parce qu'en général, quand c'est des doubles sauts comme ça, il te fout la paix, donc c'est cool. Alors je vais sauvegarder par contre. Cela depuis le temps. Ça devient compliqué. Je vais sauvegarder sur un autre slot. Parce qu'en vrai, si j'avais su, j'aurais dû recharger et refaire ça au propre. Mais bon, tant pis. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Je vais peut-être cutter des faits quand même, parce que là, sinon, on va pas avancer. On verra ça lors du montage ou lors de la fin de vidéo. Là, si j'avance bien, déjà, ce serait cool. Ça permettra de rattraper un petit peu les conneries. Bon, voilà, ok, maintenant je suis là et après. Ah, d'accord, il y a un rebord. Peu périlleux ce rebord. Oh, bien joué. Une fois que je gère un truc. Voilà. On va y arriver à cette zone. En espérant que ça serve à quelque chose. Parce que bon,
Si je me suis chié pendant je sais pas combien de dizaines de minutes pour ça. Je pense que c'est utile, ça, y a pas de souci, mais. J'espère que ce serait une très très grande utilité. On va peut-être reprendre les pistolets quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que là, je vois qu'il y a un truc au-dessus. Ok, c'est juste de l'éclairage. Alors, ici. Ah, bah tiens, ce qu'il y a devant là. C'est un trident, ça. Nous voulons en bonne voie. Par contre, si je tombe ici, c'est la mort, quoi, hein, de ce que je vois. J'aime pas cette musique, qu'est-ce qui se passe encore? Chauve-souris? Musique d'ambiance? Oui. Ah, j'ai rien dit. Il n'y a pas que des chauves-souris. Enfin, il n'y en a pas tout court plutôt, c'est juste des squelettes. Bon bah c'est parti, hein. On va peut-être sauvegarder là comme ça, parce que je pense qu'ici je vais pas mal mourir, je sais pas pourquoi, hein, mais bon quand on voit le l'étendue du gouffre, je me dis que il n'attend que moi quoi, clairement. J'ai peut-être re-switché sur du fusil à pompe aussi, vu qu'il y a pas mal de squelettes. J'espère qu'ils vont pas me foutre dans le vide, ça serait pas mal. Hop. Alors c'est vrai que ouais, je pourrais aussi utiliser les arbalètes, enfin les arbalètes, les carreaux d'arbalète, ou les traits, vu qu'ils appellent comme ça. Mais j'en ai que 7, et je pense pas que ça sera les derniers squelettes, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Si je commence à tous les niquer, ça va être problématique pour après. Par contre là du coup je fais quoi? Je vais choper la corne, hein, parce que en vrai, elle m'a l'air haute. Hein. Je suis pas très serein. Hein. Et ouais. Et ouais. Il y a peut-être moyen de la prendre, mais ça va pas être simple. Hein. Bon, j'étais peut-être un peu dévié, c'est vrai que. Après, si ça porte confusion parce que dans la vidéo précédente, à la fin, si vous vous rappelez, j'étais un peu dévié. Et quand je mettais plein dedans, ça me déviait quand même sur la gauche de mémoire. Donc il y a un moment, tu sais plus trop où te mettre, quoi. Alors on va tourner un peu. Là je pense qu'on est pas mal. Voilà. Putain, chaud. Ah puis il y en a un autre qui est en train de pioncer là en plus. Chaud patate. Puis en plus c'est juste une case. Et merde. Try again. J'ai pris trop d'élan. Ah, c'est super chaud. Super, super chaud. On arrive bientôt à 48 minutes et on n'a rien fait du tout. C'est super. Mais pas super chaud par contre. C'est super nul. C'est. Y a pas d'autre mot. Hop, voilà. Donc, cette fameuse corde. Ah, bon bah ok. Ça veut dire que j'étais pas en face, faut croire. Putain, la malchance à son paroxysme. Allez, on la refait. L'idéal, ça serait que j'arrive à prendre. Ou sinon, je. C'est vrai que je pourrais aller sur le côté, au pire, à droite, là. Et essayer de me débarrasser d'abord de tous les squelettes. Non, mais t'es sérieuse, hein, putain. J'étais dedans, là. Je comprends pas. Alors, on va essayer de gérer, parce que là, j'en ai un petit peu marre de mourir à cet endroit. Ça serait bien qu'on avance. Ouh, c'est bon. Alors, on prépare le fusil à pompe.
crois qu'il y en a un qui a dégommé en plein vol, mais je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression que ça va parvenir. Et lui, il est mort, c'est bon. Alors, direct, je sauvegarde. Parce que là, putain, c'était tellement galère, cet endroit. Le pire, c'est qu'il va falloir en ressortir après ça, le pire. C'est juste la deuxième couche pour te finaliser, quoi. Si t'es en phase terminale, là, c'est bon. Tu décèdes à la fin de cette vidéo, quoi, clairement. Donc, je pense que je ferai quand même quelques cuts d'essai parce que... Là, ça me saoule, on est déjà à 40 minutes, on n'a rien fait, quoi. Genre, il m'empêche de passer, ce con. Est-ce que si je prends de l'élan, ça passe? C'est bon. Il est relou, lui, se mettre devant, aussi, là. Hop. Ok, que dalle. Ça s'est torché. Ok. Donc je crois du coup que je vais aller récupérer ça là-bas. Est-ce que j'ai besoin de prendre de l'élan? Je crois pas. Hein. Ouais, c'est bon. Donc. Le trident, voilà. Premier d'une longue liste. Oh merde, oh le bâtard. Putain, il m'a fait flipper ce con. Merde, il va de l'autre côté en plus, putain, enfoiré. Merde, j'aurais peut-être dû tirer en fait. Mais je confonds en fait avec les touches. Je sais pas pourquoi j'utilise carré en fait. Carré, c'est pas dans RE. Je crois, hein, il me semble. Voilà, ferme-la, enfoiré. T'entends moins là tout de suite avec ton épée pourrie là. Hop. Il y a zéro objet ici, putain, c'est la dèche. Pas de truc secret. Ok. L'endroit inutile par excellence. Non, encore ? Mais c'est pas possible. Et ne reviens plus cette fois. Je vais peut-être trop sauvegarder quand même. Parce que moi j'ai éliminé des ennemis, ça fait toujours ça de moi. Tac. Voilà. Bon, 42 minutes. Bon, là je pense que je vais aller largement à 1h, voire 1h10. Et après je ferai des cuts au montage. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a là-bas. Apparemment, il y a une échelle. Enfin, remarque, il y a aussi peut-être un passage. Là, on va d'abord aller ici. Ah, merde. On va essayer d'aller ici, d'abord. C'est vrai que j'avais pas vu l'espèce de pente, du coup, ça me bloque. Ça, c'est toujours sympathique, aussi, ce genre de piège à la con. Donc, je vais d'abord aller ici, et après, je verrai... avant de m'enfoncer plus loin dans le bordel, vérifier la zone, quoi. Que je m'y retrouve un petit peu. Parce que comme je disais en début de vidéo, là, je crois que, vu comme c'est parti, je vais quand même me perdre, ça va être sympa. Hop, voilà, comme ça, il n'y a pas d'excuses. Ça se trouve, il n'y a rien, mais bon. Ah, peut-être, hein. On va changer. Pistolet, hop. Pas le péter celui-là. En fait, elle bouge trop d'un coup. Voilà. Bon, bah, y'a rien, ok. Pas de soucis. Merci d'être venu, entre guillemets. Donc, finalement, il reste que ça, quoi. Merde. Oh putain, décidément. Bon, au pire, j'avais sauvegardé, c'est pas. C'est pas trop dramatique, ça m'évitera d'y aller là-bas pour rien. Mais après, ouais, y a pas grand-chose ici, on dirait. Hein. C'est étonnant, quand même. J'ai peut-être mal fouillé, je sais pas, dans la chute, peut-être qu'il y a des endroits planqués.
Comme c'était le cas en course-poursuite avec la Jeep. C'est possible. Je sais pas. Ou au-dessus, là, y a rien au-dessus. Je sais pas si on peut l'atteindre, là, le dessus. Ah si. Ah bah. Oh. Heureusement que j'y suis allé. Je ne crache jamais sur le son, surtout en ce moment. Et il y a d'autres endroits comme ça où... Putain, il y a genre encore un squelette là. Putain, il y en a plusieurs. Mais what the fuck, à chaque fois ça repop quoi. Attendez, on va voir déjà ce qu'il y a là-bas. Non. Non, pas la visée laser, ça. Comment on fait déjà pour zoomer? Merde. Oh là là, putain. C'est pas possible. Hein. Même là, j'étais serein avec ma jumelle et je pensais pas qu'en appuyant sur rond, on dirait que j'allais faire ça. Je pensais que d'abord, ça te faisait quitter la jumelle et après, tu fais l'action, quoi. Bon, je vais quand même y retourner parce que ça vaut le coup. Mais on dirait qu'il y a un truc en face. Ça a l'air d'être assez gros, mais je sais pas ce que c'est. Donc, on va essayer de revoir avec la jumelle. Ah ben là, il n'y a rien. J'ai cru voir un bloc tout à l'heure. Je me rapproche du bord, peut-être que c'est le clipping. Bon bah, il n'y a rien, ok. Pas tout compris, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer de redescendre correctement. Putain, il y a l'autre qui m'attend là. Non! Putain! Putain, je pensais qu'en redescendant comme ça allait le faire, quoi. Voilà, donc c'est bon, j'ai réussi à me barrer. On va pas rester plus longtemps parce qu'il y a les satanés squelettes en bas. Et vu, je sais pas combien il y en a, il y en a deux ou trois. On va pas se faire chier à les buter, hein. Autant économiser nos munitions, parce que techniquement, de ce que j'ai vu, il n'y a plus rien d'autre à faire ici. Il faudra peut-être repasser dans le sens inverse, on verra. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas envie de me casser les couilles avec eux. Voilà, donc ça nous fait amener où ça? On va re-sauvegarder. Hop, voilà. Là, si je peux carburer, ça serait pas mal. Choper un autre trident, au moins, ça serait cool pour cette vidéo. Et puis si j'en chope deux, voilà, bah c'est bon, là, je suis refait. Ah! Encore. Bon, on va essayer de passer. Ah bah tiens. Ah, je pensais pas qu'il y avait carrément le deuxième trident à côté. Bon bah du coup, je suis refait, enfin. Bon, attendez. Il n'y a pas d'eau ou un truc pour le faire tomber, ce con, là? Non, il n'y a rien. Ça me fait chier, lui. Marque il bug, là, peut-être que je vais pouvoir le ramasser. Chop. Voilà. Hop. Tu l'as dans le fion. Alors, je vais quand même vérifier s'il y a des trucs dans les vases. Ah, ils sont peut-être pas cassables, ceux-là. C'est vrai que les verres comme ça. Bon, bah, écoutez, je m'en vais. J'ai peut-être trop sauvegardé. Parce que si je tombe avec cette histoire de poutre, on ne sait jamais. Hop. Donc voilà, deux tridents, c'est cool, ça fait plaisir. L'objectif de la vidéo est atteint plus que prévu, du coup. C'est plutôt cool. Donc il va falloir choper les autres. Alors je sais pas combien il y en a, mais en même temps, si je me fie au Poséidon qui sait réactiver l'eau et qui a 4. Bouche. Enfin, j'ai pas vu qu'il y avait vraiment 4, mais bon, il y a 4 embranchements. Donc, on pourrait partir sur du 4 trident, quoi. Ça serait logique. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. Non. Pistolet. Hop.
beaucoup les touches, hein. J'ai du mal à... Merde. Putain, dangereux, là. J'arrive pas à les mémoriser, les touches, c'est bizarre. Enfin, je les connais, quand on me les demanderait, je les dirais, mais... instinctivement, ça n'arrive pas à venir. Je sais pas pourquoi. Comme le carré pour tirer, alors que c'est sauter. Je sais pas. Ça doit être du restant de RE, pourtant j'y ai pas rejoué entre deux, là. Je suis vraiment concentré que sur Tomb Raider, pour l'instant. Surtout des jeux exigeants comme ça, faut mieux éviter de faire des choses en même temps. Mais là, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, verdict. Ah bah voilà, quand même quelque chose. Putain, si c'était des explos, ça serait bien, mais je crois pas, hein. Ça m'étonnerait. Oh, si, c'en est. Oh, parfait. Putain, que demande le peuple? Là, sur la fin, ils veulent me faire plaisir, hein. Se dire, bon, c'est bon, on t'a assez fait galérer. On va te donner des trucs cool maintenant. Alors là, par contre, y a rien. Donc, reprenons le poteau, si j'y arrive. Putain, mais lol, quoi. Bon, je vais peut-être sauvegarder, parce que là, vu comment j'ai l'air doué, ça va se terminer en mort, ça, je vais pas comprendre encore. Ça, c'est cool, 17 carreaux, du coup, si vraiment j'en ai besoin, je vais peut-être m'en servir contre les squelettes. Mais quand il y a des rebords, c'est vrai que, bah, autant optimiser, quoi. Tout simplement. Voilà. Eh, mais lol. Autisme. Mais putain, mais je suis devant pourtant, là. C'est pas possible. Putain, à chaque fois, ça passe à pile à côté, quoi. J'essaie de bien me mettre dans l'axe au milieu de la dalle. Et puis, ce qui est chiant, c'est qu'à la caméra, vu qu'elle est bloc... Voilà. Tu vois quand tu veux. Voilà, alors là, je crois que c'est un cul-de-sac, ouais. Donc, faisons demi-tour. Je vais peut-être descendre un peu, parce que c'est des coups où je me mange la collision et que je crève comme une vieille merde. Et voilà. Putain, même à cette hauteur-là, ça m'a bouffé la collision, quoi. En étant prévoyant, quoi, putain. C'est chaud, ça. C'est très très chaud. C'est-à-dire que si j'aurais pas été prévoyant, ça aurait été lolilol, ça aurait été pire, quoi. Mais là, je pensais vraiment être bon, hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment être plus bas, quoi. C'est abusé, ça. Heureusement que j'avais save avant. Putain, vas-y, va me refaire le même coup, là. Fais-moi perdre du temps, saloperie. Voilà. Allez, c'est reparti, mon kiki. Là, je pense que ça doit suffire. On va pas monter plus haut. Hein. Ouh, putain, même là, pas sûr. Hein. Pas serein, quand même. Alors. Alors là, il y a... Ouais, ça, c'est juste une aération. Et ici, on retourne... D'accord. Enfin, est-ce qu'on retourne là où je pense, en fait? Pas sûr. Ça y ressemble, mais normalement, il y avait une croix sur le côté, non? Ou elle est plus haute, peut-être. Par contre, putain, lui, là... Il va valser en bas, lui. Voilà. Je crois que c'est... Ça doit être là qu'il y a la croix, non? Si c'est bien la zone que je pense... Ouais, si, c'est ça. Donc cet endroit-là, je le connais, par contre. Mais il me reste des tridents qui me manquent, donc... pourquoi ça m'a mis là, en fait je sais pas. Ça, c'est une bonne remarque. En tout cas, on va sauvegarder. Hop. Alors, on va sauvegarder sur le même, je pense. On est bien. Donc ouais, là, c'est bizarre que ça me refoute là. Par contre, ici, je crois que j'avais pas forcément tout fouillé. Il me semble. Il me semble que j'étais pas forcément descendu. Je sais plus. Parce que j'avais voulu aller ailleurs, mais c'était bloqué. Donc là, forcément, why not?
Là-bas, du coup, ça mène aux deux mêmes endroits, sauf qu'il y a deux embranchements. Ici, ça emmène où déjà? Ah oui, donc là, voilà, là, c'est pareil, je connais bien. Donc, bah, on va descendre, on va voir ce qu'il y a en bas. En haut, c'est la limite, ok. Je sais plus si j'ai été descendu ici. Ça va être le moment de vérifier, à voir comme ça. Oh merde, ça me remet en haut, ça. Putain, allez. Genre, il a... Vas-y, mange pas ta balle, toi. Putain, il va me casser les couilles, là. Le problème, c'est que... Vas-y, va, jarte là-bas, là. Va voir ailleurs si j'y suis. Encore un coup. Allez, tchuss. Ouais, donc là on est... Ah ouais, mais par contre on n'est pas tout à fait au même niveau. Parce que moi je crois que je vais tomber de... d'en haut là. Donc peut-être qu'ici il y a quand même des choses à prendre. Alors je vois qu'il y a des squelettes déjà en bas, c'est cool. Donc ouais, il y a peut-être des choses à faire ici finalement. Enfin, je suis pas tout à fait sûr, mais bon, on va voir ça. Explorons, explorons. Déjà, on va commencer par descendre. Voilà. Alors, du coup, bah ouais. Il y avait de l'eau là-bas, tiens. On va voir si... Peut-être pas vouloir me dire bonjour dans l'eau. Ah, ils s'en foutent de l'eau, putain, dingue. Pas qu'ils pensaient les exterminer. Alors ici j'ai été passé, ça je m'en rappelle. Donc ça, il n'y a pas besoin d'y retourner. Enfin, en tout cas, je pense pas pour l'instant. Par contre, ça j'avais pas vu. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Alors voyons voir ce qu'il y a ici. Suspense. Alors, il y a encore plusieurs chemins. Lequel choisir, j'ai envie de dire. Oh là là, putain, c'est colossal encore ici. Bon, attends, donc commençons par le premier. On verra après pour les autres. Alors ici. Putain. Encore un foutu squeletton. Ici, c'est un cul-de-sac, on dirait. Je vérifie quand même derrière. C'est pas tout à fait un cul-de-sac. Enfin, si, un peu quand même, on dirait. Ah, y a quoi? Ah, y a un truc à escalader. Merde. Bon, lui, je crois que je vais pas avoir le choix. On va utiliser l'arbalète. Au revoir! Remballe ta merde. Oh, il y en a un deuxième? C'est bon? Saloperie. Donc vérifions bien que c'est un cul-de-sac déjà de ce côté-là. Ça m'a l'air d'être rampante en fait, du de loin, mais... Ça ne l'est pas du tout en fait. Bon, allons voir ce qu'il y a au milieu parce que... Lol quoi. Ça a l'air d'être tellement labyrinthique cet endroit. Bon, est-ce que c'est un bonus ici déjà ou est-ce que c'est obligatoire? Déjà ça c'est cadeau. Hop. Alors ici. Bon, il y a des endroits de partout, c'est sympa. On entend encore un ami squelette.
Donc ça donne là-haut, ok, mais après... Faut voir s'il y a des objets, quoi. Apparemment, il y a quelque chose ici. J'arrive pas à voir ce que c'est de là. On va vérifier ça tout de suite. On dirait que c'est un gros kit de soins, non? C'est ça. Why not? Putain, merde. Oh, salopard. Fumier! Va crever. Je sais même plus où c'était, c'est là, non? Il y a peut-être plusieurs endroits pour remonter, remarque, je sais pas. Putain, mais c'est squelette, quoi, c'est... Waouh. Bien relou, hein. Mais c'est pas les seuls à être relous, n'empêche, dans le jeu. Pour l'instant, ça va, on n'a pas eu trop de trucs. Bon, mis à part, évidemment, tout ce qui est invulnérable, mais ça, c'est autre chose. Enfin, même si, bon, les squelettes, en soi, on pourrait presque dire qu'ils sont invulnérables, hein, tellement ils sont casse-couilles. Mais, ici, il y a un autre... Putain, merde, j'avais pas le fusil à pompe. Vas-y, chope le soin, hop. Et fusil à pompe... Lève-toi. Voilà. Tchousse. Fumier. Donc, je disais, ouais, il y a d'autres bestioles qui seront galères plus tard. Je me rappelle d'un passage qui m'avait saoulé, parce qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à voir où on doit aller. C'est là... Il y a une grande pyramide, en fait. Je sais plus si c'est vers la... Enfin, c'est plus loin dans le jeu, mais est-ce que c'est là... C'est pas forcément la fin. Je sais plus exactement où ça se situe. Mais une grosse pyramide comme ça, c'est un peu la merde, quoi. Bon, y a rien à grimper là, c'est pas possible ça. Je peux me dire que ça sert à rien tout ça. Faudra remonter au-dessus, quoi. Voyons voir ce qu'il y a plus vers là-bas déjà. Ici, une petite cavité, mais ça sert à rien. En tout cas, pour l'instant. Je pense que le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est d'aller vers là-bas. En espérant pas tomber sur des squelettes, mais bon, en même temps... Voilà. Comme si on était étonné, hein, n'est-ce pas? Viens chercher ta balle. J'arrive à le dégager sur le côté. Voilà. Tchousse, salopard. Alors là, c'est un trident qui est en haut. Donc celui-là, pour le choper, par contre, ça va être sympa. Bon, sinon, à part ça, je crois que c'est bon. Pas d'échelle, mis à part là-bas, donc... Allons-y. Ça m'a l'air d'être super lent, je sais même pas si c'est atteignable en fait là. Si avec de l'élan peut-être. On va vite le vérifier, mais avant, pour pas prendre de risques, comme d'habitude, sauvegarder. Il est un petit peu relou d'ailleurs ce menu là, n'empêche, quand tu parcours énormément comme moi, pour sauvegarder c'est un peu relou. C'est vrai que ça doit être un peu plus simple sur PC. Sur PC il y a pas mal de raccourcis clavier et tout. Mais bon, sur console, on est un petit peu limité, quoi. Hop là! En route vers le troisième trident. Ici, à quoi? Juste avant de monter. Je sais pas, ça a l'air d'être ultra profond, mais après, voir ce qu'il y a, j'en sais rien. Allez, grimpe. Alors, est-ce que je peux passer sur le côté ou faut que j'aille en face? Maintenant, je me méfie avec toutes ces conneries. Putain, ouais, c'est pas... On voit pas, en fait. Si je prends le risque, c'est bon.
Le retour des cartouches normales. Vous imaginez ça? C'est fou. On va les reprendre du coup. Ça va pas durer longtemps vu qu'il y en a que 6, mais bon. C'est déjà ça. Alors ensuite, je pense que l'autre trident il va être par là. Hein. Pour qu'il nous ait balancé déjà les deux tout à l'heure en même temps, quasiment. C'est que le dernier il doit pas être loin. Hop là. Ok, alors ça ramouille un petit peu. Ça me rappelle un petit peu un passage de Tomb Raider 1, j'avais le même souci. Comme si le PC il n'en pouvait plus alors que le jeu, voilà. Ça doit être lié à l'émulateur, je pense. J'imagine. Bon, il est 1h06, donc là on va peut-être pas tarder à s'arrêter là, mais j'ai quand même continué un petit peu d'explorer la zone. S'il y a moyen de choper le dernier trident, au moins je serais content de la vidéo, quoi, on va dire. J'aurais bien rattrapé sur la fin, ça serait assez plaisant. Parce que le début c'était vraiment un putain de carnage. On entend encore un putain de squelette. Je sais pas où il va être, celui-là encore. Tiens, le voilà. Vas-y, saute, trou de balle. Ah merde, j'ai peut-être tiré un peu trop tôt. Le mec est tellement pressé d'en finir. Allez, tchuss. Y avait rien ici? Bon, c'est bon. Hop. Alors, je crois que par contre, c'est ouvert un passage, là. Attendez, comment on fait pour y accéder à celui-là? Il n'y a pas d'échelle. Ah, peut-être sauter juste en dessous. Faudra que j'aille voir, tiens, si j'y pense. On fera ça après. D'abord, je fouille toute la zone. Bon, là, on dirait qu'il n'y a rien. Donc, je crois qu'il n'y a pas le choix. On va utiliser la corde, la fameuse. On va de nouveau se fail encore, j'imagine. Hop. Alors, je me prépare, mais je vais sauvegarder avant. Je suis pas fou, c'est bon. J'ai eu ma dose de corde pour cet épisode. Déjà même pour le pseudo-épisode d'avant où je vous ai dit que j'ai enregistré, enfin j'ai pas enregistré plutôt. J'ai fait la corde et après j'ai lancé l'enregistrement. Donc si tu cumules ces galères de corde là, plus celle d'après où j'ai galéré, plus peut-être celle-ci, on verra. C'est. Voilà quoi. En termes de corde, c'est bon quoi. Alors par contre, il y a un renfoncement là que j'avais pas vu. Bah autant aller direct en face, ça sera plus simple je pense pour sauter. Voilà. Alors ce renfoncement il sert à quoi? Allons lui citer la bienvenue. Voilà, dégage. Donc, il y a peur d'y avoir quelque chose en fait, ça qui est bizarre. On peut peut-être grimper dedans parce qu'on dirait qu'il y a un pylône. Mais avant, ce serait bien d'aller vérifier quand même là-bas. Éliminer coin par coin, je pense que c'est pas plus mal. Ok. Alors là, je crois que c'est bon aussi. Pas besoin d'élan. Alors cette porte, pour l'instant, elle est pas ouverte, donc finalement, je crois que j'aurais dû aller direct au pylône en fait. On va rebelote. Hop. Et hop. Donc ce pylône. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Ah, c'est pareil, c'est un petit peu un saut dangereux, on va sauvegarder pour être sûr. Donc rien qu'avec cette vidéo-là, j'ai rajouté quasiment 1 heure au compteur en regardant les sauvegardes. Alors que finalement, il s'est pas passé grand-chose avec toutes les galères qu'il y a eu. Alors je crois que sans... C'est bon, ça marche. Sans élan, c'est bon. Allez, c'est parti.
En route, j'espère, vers le dernier trident, là, ça serait nickel. Hein, si on peut s'arrêter là-dessus. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici déjà. Déjà, il y a une échelle. Ok, donc finalement, il n'y avait pas trop le choix. Par contre, il y a un putain de squelette dans l'eau. Ça, je m'en serais bien passé. Est-ce qu'il y a des objets? Bah, finalement, il y a juste un enfoiré de squelette qui nous attend, quoi. Donc, continuons de grimper. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Pas d'objet, il y a juste des ossements partout. Alors, abaisse-toi. Ah bah, voilà le dernier. Putain, il y a des squelettes partout. Quand je vais vouloir partir ici, ça va être drôle. Par contre, je crois qu'il y a une échelle là-bas. Je vais essayer de... Ah, il y a quoi? C'est un objet, là? Non, c'est un pot. Je vais essayer de prendre le trident, faire vite fait demi-tour, choper l'échelle. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a peut-être un truc intéressant. Hop, là. Comme ça, ils ont pas eu le temps de me toucher. Dans vos gueules. Et du coup, j'ai récupéré le quatrième trident. Et ça, c'est génial. Alors, où sommes-nous maintenant avec le chargement? Ah, peut-être s'arrêter là, du coup, parce que là, finalement, on s'est bien rattrapé sur la fin. Je pense que ça va être le moment de dire au revoir. Un cul-de-sac avec un... Il va se réveiller ou pas? Je prépare le... Voilà, c'était après là, hein. Quelle étonnance. Et ça, ça emmène où? J'arrive pas à voir, en fait. Merde. Putain, le mec un peu suicidaire. Mais je crois que ça sert à rien, en fait. Ah, j'étais pas sûr, mais il y a rien, quoi. Ok. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ici. Là, on est pas mal. Ça sera déjà bien pour cette vidéo-là. On aura quand même finalement bien avancé, on a récupéré les 4 tridents en une vidéo, donc finalement ça va. C'est pas aussi désastreux, ça aurait pu être forcément être mieux avec tout le temps perdu. Mais voilà, j'ai essayé de me rattraper, donc vous étonnez pas s'il y a plusieurs coupures, c'est juste une histoire de gain de temps. Hein. De toute façon, j'ai rien à vous prouver dans le jeu, vous avez remarqué, j'ai été nul. Donc c'est pas à faire le mec, oh là là, je suis un PGM, je suis mort 0 fois dans cette partie, alors que ça se voit pas du tout quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !